Бонжур, друзья! Сегодня у нас немножечко другой формат реплея. Для тех, кто считает предыдущих моих видео слишком много болтовни не по теме, сегодня минимум лирики, максимум экшена на батчате. Батчат СТ-шка очень сложная. И я признаюсь, я не умею на нем играть. На нем постоянно нужно думать, куда поехать, где реализовать свой барабан, как не слиться в первые секунды боя, как принести пользу, как набить урон, как пробить с его точностью. Точность у него хреновая, брони у него нет, хотя, но вы увидите дальше. Здесь у нас карта перевал, горы, много всяких подъездов. Я решаю сделать хитрый ход и поехать сразу на ледник. Что из этого получится, смотрим. Maintenant des boss, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, gosse, c'est mon coup. Regard figé sur la panne. Si je, putain, faut pas que je me mal. Planqué parmi la foule, pas confiant. J'avance, les hams, je les sens. J'en vois un, plus deux. Ils sont seulement touchés. Cela seront mes trois. Tout ça est pied, j'ai fait le coup. Jusqu'ici, tout est bon, le sac est lourd. Calme, je le dépose. Puis je cours vers le premier. Ma lame va s'en occuper. Pas de bruit, je saute un mur. Sur ce camp a l'air occupé, j'ai coupé sa ligne de vie. Ce que je vis après m'a surpris. Faut que je continue. Le stress s'accentue. Une messe fournie, demain sera vaincu. Pendu sur une branche. Un bronzé sort d'un fourgon. Soudain tout s'enclenche. Il sait que je suis là, faut que j'improvise. Si là, non ça doit être. Il faut être plus que six. Bronzé, je l'ai reconnu. Le dernier coup, le dernier prix, la dernière chance de ma vie. Le premier fou, le premier regard, je lui ôte la vie. Personne va se mettre en travers, personne. Le remède de ma vie. On va la voir, continue à tirer. Une de nos chenilles est touchée. En plein dans le vide. Je dois me concentrer, efficace. Sans de poubelles feront l'enfer pour ses épaves. Sous terre, avec ou sans, c'est pas grave. La lame dans la main droite, cachée sous le blouson. Je pointe jusqu'au fourgon. À droite, des mots de casseur. Le premier le chauffeur, ensuite la porte, une dégaine silencieux, vite chargeur, carte manquée au ciel, ils sont seulement touchés. Les radios en frappe, je laisse tout. Ils sont touchés. Dehors, mon bonheur n'est pas loin. Dehors, je finirai à Rio, le jardin plein de zinc. Dehors, la foule se parfuit. Dans ce bâtiment, c'était ma vie, il n'y a plus de sentiments. Vivement ce soir, rien que tu penses. Allez, je dois pas craquer. Une grande porte se présente, bien propre, distinguée. Trage m'alimente pendant l'escalier. Je monte, premier, je m'attendais pas, l'accueil est parfait, dégain. Organisation, pas que j'attire l'attention, sinon il y aura des sanctions. Je me dirige vers le dépôt, je tombe sur un pivert, pauvre flico. Je fais diversion, je fais semblant d'appeler. Hey, il se retourne la giclée, ça me salit. Je m'arrête pas, le temps est compté. À n'importe quel moment on peut me guinder. Enfin, la porte qui m'intéresse. Enfin, devant mon stress. Je tape en ouvre. Le couteau planté dans la gorge. Voix rouge, pousse vers le deuxième casier. La clé trouvée, direction le coffre. Merde, le code, c'est bon, je l'ai, je l'ouvre. Devant moi les sacs, je prends tout sans poser de questions. Même les billets fines sortent du bureau. Allez, grouille, ça y est, le plus dur est fait. À présent, je sens les kilos. Le dernier goût, le dernier prix, la dernière chance de ma vie. Le premier fou, le premier regard, je lui ôte la vie. Personne ne va se mettre en travers, personne. Le revers de ma personne grogne. Après ma ronde, je rentre au bureau. Là, personne, pas normal, ça va pas. Rien est comme. Ils sont seulement touchés. Comme d'hab. J'ai le pressentiment que je suis là. Dans le coup, je me sens comme un flic sans tout. Le flou, tout est dessous, malgré les faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle pourriture? Plein de traces sur le mur. À coup sûr, j'en suis sûr. Y'a pas de figure, rien sur les écrans.
putain les diamants, j'ai pas le temps. Sonne l'alarme, je cours vite au dépôt. C'est là que le mago a haut promet. J'arrive d'entrée, je vois l'entrée. Le type en consigne d'entrée. C'est fait avoir ce couloir comme une croix. À terre son corps froid. Un qui aborde sa gorge en piteux état. Il n'a pas eu le temps de souffler, de bouger. Il est trop tard, pensez à lui ici maintenant. Personne ne bouge, personne ne touche rien. Chaque détail pour faire plonger cet homme de l'ombre. C'est fait, c'est malin. Soudain j'ouvre le tiroir, plus de clé, code fait. Dans ma tête, faut plus compter. Tu veux m'esquiver, je sais qui c'est l'expert. C'est le mercenaire, mon ex-partenaire, c'est sûr. Allô, qui c'est? Allô, c'est moi. Qui est toi? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de faire semblant. Dans le commissariat. Tu sais, c'est ton style. Réservoir touché! C'est toi. Ah ouais? Ben écoute ça. Le dernier coup, le dernier prix, la dernière chance de ma vie. Le premier fou, le premier regard, je lui offre la vie. Personne doit se mettre en travers, personne. Dérouté, écouté, pour mon bien, je prends le mal. Viser le dernier coup, sans sou, je vais pas me priver. J'ai concordé ce plan de chacal en privé. Qu'est-ce t'as à dire? C'est fini, tout le monde est mort. Si tu veux, on s'unit, faut qu'on s'en tire coéquipier. Allez, c'est bien. Cassons-nous, c'est fini. Пожалуй, главной сенсацией этого боя можно отметить тот факт, что Батчат может вытанковывать в обе 100. Ну а еще этот танк, как видите, может в конце боя, когда силы примерно равны и ситуация примерно равная, может очень сильно качнуть чашу весов в одну или в другую сторону. Даже если он ваншотный, даже если у него что-то закритовано. Батчат может решить исход боя, что сейчас и произошло. Тем не менее, тему Батчата мы не заканчиваем. У меня в планах сделать еще как минимум один видос по нему. Может быть, какой-нибудь мега-нагибский бой. Это будет просто нарезка каких-то наиболее шелых моментов, которые при игре на Батчате будет всегда хватать у вас, даже если вы сливаетесь первой секунды боя. Так что Батчата мы пока не прощаемся. Если вам понравился этот бой, ставим лайк, подписываемся на канал. Сейчас увидите результаты этого скромного боя. И всем спасибо, что посмотрели. Всем пока!